J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation du kit du mois d'août de Momy et les Little Bits. C'est parti. Donc voici le kit du mois d'août. Donc quand on dit kit du mois d'août, ça veut dire que c'est pour le mois de septembre. Donc j'ai reçu mon kit la semaine dernière, j'ai pas eu le temps de vous filmer toutes ces beautés. Évidemment, j'ai ouvert, j'ai pas pu attendre parce que c'est vraiment trop beau. Donc je vous présente tout ça. Donc dans chaque kit, nous avons une jolie carte avec le contenu et un code pour pouvoir avoir accès donc au contenu digital à télécharger. Donc déjà juste cette carte-là est déjà trop belle. Ensuite, comme le mois dernier, nous avons un TN. Alors, le mois dernier, il était couleur naturelle marron. Et ce mois-ci, il est donc rose pâle. À l'intérieur, nous avons deux carnets. Donc, deux carnets qui sont facilement customisables. Hein, voilà. Et nous avons des pages un peu beige et des pages en craft. Donc, voilà. Donc, on a deux carnets plus une petite règle en simili-cuir. Ensuite, alors bah, oui, vous entendez des sous, c'est normal, il était déjà dans mon sac. Donc c'est une trousse, alors chaque mois on a une trousse, et donc là celle-ci elle est vraiment trop belle. Donc c'est Hey Girl Hey. Donc apparemment c'est ce qu'elle dit à chaque fois au téléphone, la créatrice. Donc voilà, moi elle est dans mon sac, donc dedans, voilà, il y a mes espèces. Parce que sinon ça traîne tout le temps partout, donc je trouvais ça bien parce que des trousses avec le kit PSK, j'en ai eu déjà vraiment beaucoup. Donc du coup il faut trouver une autre utilité. Ensuite, à l'intérieur, donc nous avons des stickers transparents en fait. Donc le contour est transparent et donc ils sont vraiment super jolis. Regardez moi ça, le petit mug un peu effet cactus. La nana à la Audrey Burn et je trouve ça trop canon. Les polices d'écriture sont superbes, c'est trop beau. Je ne regrette pas du tout d'avoir changé entre ce kit et le kit du Planner Society. Franchement, je trouve ça trop beau. La qualité est vraiment super. Je sais pas si vous voyez le papier, mais voilà, question qualité, le papier est vraiment tip top. Donc juste le petit bémol que je dirais, parce qu'il faut un petit bémol, hein, c'est qu'il n'y a que 3 feuilles. Donc c'est un peu just pour faire un setup complet. Du moins, si on fait juste son setup avec son TN, ça passe, hein, ça passe vraiment bien, parce qu'on peut faire ses petites pochettes ou alors on décore deux carnets et on se fait un petit dashboard. Ensuite, comme tous les mois, donc on a une petite pochette en organza avec plein de trésors à l'intérieur. J'ai tout sorti pour que ça aille plus vite. Donc là, nous avons un super washi. Donc c'est vraiment assorti. Hein. Donc, je filme d'une main parce que je trouve que mon support est vraiment pas terrible. Faudrait que je me trouve un autre support pour mettre en hauteur en fait comme ceci pour pouvoir vous filmer les DIY et les Plan With Me. Si vous avez un astuce pour moi, un appareil, je suis preneuse de vos commentaires parce que franchement moi j'ai acheté un truc qui se clipse en fait au bureau, mais bof. Ensuite on a un petit charme de planeur, donc c'est un petit nœud motif léopard fuchsia, il est vraiment trop canon. Donc regardez-moi ça, il est vraiment trop mignon quoi. Il est bien dodu, si je peux dire ça comme ça. Donc chaque mois, on a un paperclip qui est un peu en plastique, je dirais. Donc ils sont super beaux. Le seul truc que je leur reproche, c'est qu'ils sont vraiment big quoi. Regardez celui-là du mois dernier. Donc, dans ma main. Voilà quoi, il est balèze. Et celui-là, il est encore plus gros. Donc c'est le seul petit bémol parce que sinon vous voyez il est vraiment super joli. Ensuite nous avons des tampons, des clear stamps, et ils sont trop beaux quoi. Le shopping, la petite bonne femme dans son lit là avec son petit neuneu dans les cheveux, oh, j'adore, c'est vraiment magnifique. Nous avons ici les sticky notes. Donc là, c'est un peu pour faire des to-do list, hein, clairement. Et voilà, c'est trop beau. On a même du foil, là, voilà, en doré.
C'est trop canon, quoi. Trop canon. Nous avons des marque-pages. Donc ça, c'est vraiment sympa, comme tout. Ceux du mois dernier étaient super beaux. J'ai pas pu vous montrer ce que j'avais fait le mois dernier, hein, tant pis. Je voulais vous faire une vidéo aussi de mon TN que j'ai pas fait. Donc voilà, vous m'excuserez. Hein, c'est le temps de reprendre le rythme après les vacances, on va dire ça comme ça. Donc on a Today. Donc ils se mettent de côté en fait comme ceci. On a Rick pour les semaines et To Do pour les listes. Donc ils sont assez épais. Hein. Donc par contre, c'est pas recto verso. Hein. Il y a juste une face. Nous avons des sequins qui brillent. Voilà, si on veut faire des checkers, des choses comme ça. Hein. Nous avons un magnifique stylo avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Et feuilles d'or. Donc il écrit bien, il écrit noir. Et il pèse bien son poids, il fait très qualitatif. Nous avons aussi des stickers qui sont magnifiques. Je vous ouvre ça et je vous montre. Donc voici la première planche. Donc en ce qui concerne ce kit, hein, donc c'est pas un kit que je reçois en collaboration ou quoi, c'est un kit auquel je me suis abonnée. Je me suis désabonnée au Planner Society Kit car je commençais à en avoir un peu marre du fait que ce soit tout le temps la même chose. Et donc j'ai vraiment craqué sur le kit de Mommy LA. Et je ne regrette pas. Le mois dernier, c'était autre chose. C'est vraiment différent à chaque fois. Les stickers sont vraiment très très beaux. Voilà. Les planches sont quand même... voilà, elles sont quand même assez grandes. C'est pas du mini stickers. Voilà, voilà quoi. Donc, ils sont vraiment trop beaux. Et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 planches. Et donc pour terminer, voici les die-cuts que nous avons eu à l'intérieur du kit. Ils sont vraiment magnifiques. Voilà pour cette vidéo, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao !